que des faits et des vérités non vérifiées. Une chronique parfaitement plausible dans RT France, CNews ou BFM. Appelez-moi. Pour l'instant, il n'y a que mon plombier qui m'appelle. Attention, on va loin, peut-être trop loin pour vous. Les esprits chafouins, calmez-vous. Attention. Les USA, la United States of America, n'existent pas. Non, elles n'existent pas. C'est juste un pays créé par Netflix. Eh oui, sérieusement. Vous pensez vraiment que Trump pourrait être président là-bas? Mais non, les gars, c'est un complot. Ça n'existe pas. C'est... Même ceux qui sont partis en vacances là-bas, ils sont pas partis en vacances là-bas. C'était un sorte d'Euro Disney géant, c'est tout. Selon le prochain livre de Cyril Hanouna, que personne n'a encore lu. Même Hanouna ne l'a pas lu d'ailleurs. Il l'a juste senti. Il a senti la couverture. Il a fait ça sort du neuf, c'est sympa. On devrait enlever toutes les touches de la télécommande sauf le 8. Bien sûr. Jean-Luc Reichmann n'est pas animateur télé, non. Ce n'est pas un animateur télé. Ce n'est pas du tout un animateur télé. C'est juste un Toulousain détesté par les autres Toulousains car il n'aime pas les saucisses et il a honte d'être supporter de l'équipe de foot du TFC. Du TFC. Et il se cache sur les plateaux TV. Mauvaise cachette, mon pote. Quand tu découpes un DVD exactement au milieu, quand tu découpes un DVD ou un Blu-ray, hein, exactement au milieu, tu peux retrouver la bande magnétique des cassettes VHS cachées en dessous. C'est une honte. Les cassettes VHS, c'est les DVD. Les cyclistes ne sont pas dopés. Par contre, ceux qui regardent sont tous dopés au Ricard. Ça, c'est vrai. Les complotistes qui pensent que le symbole Illuminati est une pyramide avec un œil au-dessus, en fait, ils regardent le symbole à l'envers. Si tu changes trois lettres à écologiste, ça donne reptilien. Coïncidence, je ne crois pas. Merci encore d'avoir suivi des faits, des vérités, des complots. On se retrouvera peut-être demain, sauf si le gouvernement me envoie à Guantanamo. Merci à Mirror, mon complotiste préféré, pour m'aider à écrire ça. N'oubliez pas, la vie est cool. Et ne pas en profiter, ça serait un complot.